Je suis au maître Morin, je suis allé au SNEL. Merci, Lydie. Je salue tout le monde. Captain de LCH 2000 à Soya. Bon, moi, captain de M. Desroches, il faut que moi dise avec une certaine tristesse, une certaine désolation. Parce que là, on est dit qu'on attendait au niveau de Roche 20 ans de ça, surtout on est qui dans l'âge moins, et où t'es envie de prendre pour une certaine référence. Parce que 20 ans de ça, on t'a gagné 20 ans, 22 ans, on attendait de Roche qui a parlé comme société civile, où t'es ouais, c'est ton professeur d'université. Ou Terreur, c'est ton directeur d'école, pas oublier, monsieur, t'es directeur de l'école, collège bête, ou l'école prestigieuse, à un certain moment de la durée, peut-être jusqu'à présent. Et, monsieur, t'es gagné une certaine logique, certaine cohérence dans sa labdi. Monsieur, t'es gagné en notoriété dans les médias. Ou t'es senti son aigle qui t'a l'école, qui t'a classe, qui t'a gagné une certaine cohérence dans ses idées, dans ses déclarations. Et, pour tout mon enlagement, 20 ans de ça, où tu as tendance à considérer comme un modèle, on est qui à l'école, qui comprend, etc., que tu es capable et prendre comme modèle pour tout, et même et à l'avenir, présenter comme modèle à petit. Mais, définitivement, les maptons de Desroches, qui t'a parlé en 2010, parce qu'on est préval depuis le 14 mai 2006, Desroches cap dio en 2010 que mandat préval a fini 7 février 2011, c'est l'article 134 de la Constitution. Et m'a dit un bagay, le Desroches cap dit ça, le ça, Constitution a potko amendé, potko gen article 134-2 Constitution qui vient jodi à pi clair. Merci Lydie. Pour jodi a pour même Desroches la campé pour le mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors ce qu'il connaît, article 134-2 a dit, quel que soit l'heure pour entrer en fonction, eh bien, le temps constitutionnel doit être respecté. Tout président qui sortit dans l'élection qui fait en retard, il est obligé de perdre pour son mandat. Et c'est ça que fait Michel Martelly, il est obligé de perdre 3 ou 4 mois dans le mandat. Et pas oublier, même en 91, le président Aristide a fait 3 ans en exil, et là, il tournait, comme il a fait 7 mois sous pouvoir, il était obligé de faire seulement 1 an et 7 mois, parce que il n'a pas qu'à faire plus, même temps militaire où il a fait sous pouvoir, il était compté dans le mandat Aristide. L'autre des bureaux, je vous dis, qui a parlé, qui dit, le mandat Jovenel a fini 7 février 2022, alors, ce que l'on connaît très clairement, il n'y a pas de possibilité de discussion. Il n'y a pas de débat. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Et, nous souhaitons notre fusion, hein, qui sont notre très clairs. Et nous souhaitons nous faire débat sur lui. Parce que ce sont notre, et qui ont argumentaire très clair là-dedans, ou aime-t-il, et publiquement. L'argumentaire présenté par la fusion est un argumentaire solide. Et, pas gagner discussion sur ça, pas gagner débat sur ça. D'ailleurs, c'est au nom de cette même logique que Jovenel Moïse te font tweet pour te voyer 2/3 dans le Sénat aller. Au nom de la logique d'harmonisation du temps constitutionnel avec le temps politique, le temps électoral. Je dis à ne pas comprendre comment on est sous Desroches, qui a 73, 74 ans. Est-ce que c'est une maladie dégénérative, les faits, oublier, ça le dit longtemps, ou bien elle perdu toute logique. Mais ça qu'a passé comme ça. M'baka a dit, son grand monde vicieux, parce que m'y a trop respect pour lui, parce que m'dou 20 ans de ça m'dépendre comme modèle. M'baka a dit son grand monde qui vicieux. Mais définitivement, c'est une déception. Mais la vérité, en tout le monde pas connaît, c'est que l'actuel directeur de cabinet de Jovenel Moïse, M. Naoum Dorville, c'est monsieur qui coordonnateur ISC. Parce que vous entendez bien, l'actuel directeur de cabinet de Jovenel Moïse, M. Naoum Dorville, c'est monsieur qui coordonnateur général, initiative société civile, ISC, Ronnie Desroches, lui-même, monsieur secrétaire exécutif. Autrement dit,
si vous regardez bien dans la hiérarchie ISCA, eh bien, Naoum Dorville, c'est ensemble organisation qui compose ISCO qui vote le métier le coordonnateur. Et jusqu'à présent, vous vous remplacez. Et De Washington, c'est Naoum Dorville qui nomme. C'est pour comprendre que ISCA, son bagage qui n'a poche Jovenel Moïse, sont une organisation qui n'a main Jovenel Moïse. Alors, moi, quoi, je vous dis à l'éclair, il n'y a aucune possibilité de discussion. L'article est clair, c'est la Constitution. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Et ce soir même, sur les ondes de radio RCH 2000, je lance un appel à la concertation et à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale pour préparer une transition inclusive, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait personne qui nous quitte derrière la transition, hein, et une transition refondatrice. Une transition inclusive, c'est-à-dire, c'est pour une transition de trois mondes pour le prendre, pour mettre l'autre monde à côté, pour régler les affaires par yo. C'est le premier principe. Le deuxième principe, ça doit être une transition refondatrice, une transition qui permette de nous poser les questions de fond, une transition qui permette de nous faire procès à Petro-Caribéa pour nous finir avec corruption, une transition qui permette que nous fassions conférence nationale haïtienne souveraine pour nous craser le système pesé sous ce qu'il a depuis plus passé 200 ans depuis l'ayant tué Papa Dessalines pour nous capables de construire l'autre pays nous voulons. Une transition qui permette que nous changeons la constitution, nous faisons une nouvelle constitution, pour nous capables surtout intégrer la diaspora, français, nous, qui travaillent à l'étranger, qui occupent les familles en Haïti, nous pas quitter au-dehors. Une transition qui vous permette que nous poser les questions de fond avant de nous mener le pays à nos élections générales pour renouveler démocratiquement et constitutionnellement, eh bien, le personnel dirigeant de ce pays. Et c'est ça notre position. Et aujourd'hui, il est clair, il n'y a aucune possibilité de confusion, de débat. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. C'est ça lié, pas de discussion sur lui, et c'est ça que fait lui-même, lui dévoué le sénateur et aller tout. Il nous dit que c'est la même logique qui doit être appliquée. Pas de discussion sur lui, et c'est là nous y est, nous ne pas quitter personne au monde, troubler nous. Personne ne monte perturbé, non? Et si Jovenel Moïse pense, m'a dit ça à Soya, 7 février 2021, Mandalfine, de penser, de capable, qu'un pouvoir, comme si m'tadou, pour qu'un pouvoir, avec force, joue ça, la plongée pays, dans le chaos le plus total, et le pape gagne l'autre choix, la obligé de sortir même avec des brins Guillaume ça. Et bien regrette ça pour lui, parce que pas gain aucun monde qui va accepter aujourd'hui. Et ce soir, je le dis avec force, pas gain personne monde qui va accepter. On est qui président, mandat fini, mandat constitutionnel, et puis pour quimber pouvoir, pour ne pas quitter pouvoir. Ça n'existe pas en Haïti. Et je suis obligé comprendre que pas gain sortir de là, pour ne pas mener un pays à une confrontation, pas bon pour le pays. Pour lui-même, il parle tomber dans la situation, dit le Ben Guillaume Samnan, parce que le peuple n'a pas jamais campé pour le croiser bras, pour quitter un nègre qui a un mandat, qui finit pour rester sous le bois. Eh bien, Josia dit clair, Jovenel Moïse doit comprendre que son mandat constitutionnel termine le 7 février 2021. Il doit comprendre qu'il n'y a pas aucune possibilité pour mener le pays à l'élection. Depuis là, il comprend, il doit faire élection. Ou bien le pral qu'un des pouvoirs, alors que le mandat finit, le ça la plongé le pays dans le chaos, et lui-même, la pral tombe dans la situation de Guillaume Samnan, parce qu'il pral mettre en face population, hein. Et aucun de nous pas souhaité ça, parce qu'il n'y a aucun de nous qui a accepté pour le président mandat fini, pour dire qu'un des pouvoirs pas braler, alors que le mandat finit. Le ça, tout le monde a obligé de mettre au souverain, yo. Vous n'avez pas gagné des amis pour un roche, n'est qui pas gain zam ni t'a pour un bout de bâton, n'est qui pas gain bâton t'a pour un couteau dans la main. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Et si monsieur comprend, il est capable qu'un des pouvoirs avec force pour y être,
malgré la fin de son mandat constitutionnel, ou bien s'il comprend qu'il a mené un pays à une élection tête chargée dans la fin d'année, pour la faire élection pour le PHTK pouvoir, c'est clair, c'est dans l'obéi libéral de il va plonger le pays à n'en laisser frapper. Et ni moi-même qui a parlé là, ni nous-mêmes qui a fait émission en ARCH 2000, nous sommes tous des partisans de la paix, nous sommes tous des partisans de la non-violence. Personne ne monde pas vu le pays à tomber dans la violence, mais pas bien personne ne monde qui a croisé les bras pour quitter un mandat fini pour le dire quelqu'un de pouvoir. Ça n'existe pas. Cela ne peut pas se produire en Haïti en 2020, la Constitution doit être appliquée. Ouais, pendant toutes 3 ans, on a gommé avec monsieur, mais nous reconnaissons que bon élection qui était faite, il y a un monde qui est allé à l'élection. Hein. Même si c'est volé l'élection, hein, il n'y a pas élu président, c'est bête au métal, mais quand même, l'élection a été faite, il était bon mandat. Nous-mêmes, nous n'avons jamais d'accord comme président. Nous toujours voulons faire nous renverser le plus vite possible. Nous toujours voulons faire mobilisation pour qu'elle aille. Et à soya encore, ma ville, faut que mobilisation permette Jovenel Moïse quitter le pouvoir avant mandat la fini, c'est-à-dire avant 7 février 2021. Mais cependant, à partir du 7 février 2021, eh bien, son l'autre situation, c'est transition qui va commencer parce que le mandat constitutionnel là a fini. Il n'y a pas bien aucun droit. Pas bien aucune autorité, aucune légalité constitutionnelle pour le dire rester sous pouvoir toujours. On nous tout fait effort pour tout bagaille passer bien, parce que personne monde pas gain intérêt pour plonger le pays en chaos, personne monde pas gain intérêt pour plonger le pays en désordre. Nous sommes tous des partisans de la paix, nous sommes tous des partisans de la non-violence, personne pas veut désordre fait dans le pays, nous pas le pays à tomber dans la guerre civile. Nous pas le Jovenel Moïse à tomber dans la situation de Guillaume Zamnan tout, parce qu'il n'y a pas besoin de ça à répéter dans l'histoire pays. Le discours que nous portons, c'est un discours de paix, c'est un discours de non-violence, mais cependant, je le redis encore une fois ce soir, pas qu'il y a personne qui n'a pas accepté pour un mandat fini, pour le dire la quête de pouvoir par la force, et si ça t'a fait, c'est le chaos le plus total, tout le monde t'a obligé de courir sur Wash, n'est qui t'a couru sur bâton, femme qui t'a couru sous couteau, c'est monde qui t'a couru et sous ponya, c'est avant désordre, personne, pas besoin de ça arriver dans le pays. Et Jovenel Moïse, tu vas comprendre que c'est fini pour toi, parce que Jovenel Moïse fait tout le temps ça, président, je ne pas faire latrine dans le pays. Même en latrine, Jovenel Moïse pas fait en Haïti, pendant tout le temps le passé sous pouvoir. Je passe en latrine côté pour mon al pipi, côté pour mon al tata dans le pays. Ça veut dire définitivement Jovenel Moïse, c'est un président de merde. Son bilan est catastrophique. Il n'a rien fait pour ce pays. Même de mon latrine n'est pas fait. Je ne parle pas de route, je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de l'hôpital. Même mon latrine, Jovenel pas fait en Haïti. Définitivement, Jovenel Moïse, c'est une honte pour ce pays. Sa présidence a été un accident de l'histoire, un bagage ça a fini, cette expérience doit prendre fin. Nous souhaitons le prendre fin le plus vite possible, avant même 7 février 2021, mais si nous pas d'être arrivé, foutre sur la terre, 7 février 2021, pas d'en route pas bois, c'est la Constitution. Merci, M. Michel. Merci, tenez ferme. Le combat continue.